Coucou les gourmands, on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc pour le petit déjeuner, je vais encore une fois faire très simple. Je vous ai épargné la cuisson des œufs parce que je pense que depuis le temps, vous maîtrisez, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est des œufs qui viennent de chez ma maman, elle m'en a rapporté vraiment beaucoup. Et pour pas les perdre, bah, il y aura beaucoup d'œufs dans cette vidéo. Alors vous inquiétez pas, mon cholestérol va très bien. Donc voilà, il y aura également des tranches de pain, une nectarine et de la tomme au poivre. Donc j'ai pris ça hier au Hall à Lille. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, moi je mange pas les croûtes. Tim mange pas de croûtes. Donc voilà, ça sera pour le petit déjeuner, donc du fromage, du pain, une nectarine, des œufs, et pour la boisson, voilà, j'avais craqué, hein, je l'avais eu dans la dégusta box et depuis j'essaye d'en trouver en vain. Et là, il y avait une promotion à Intermarché. Je ne sais pas si ça sera toujours d'actualité quand la vidéo va sortir, mais voilà, toujours est-il que cette saveur-ci, et la pêche, et la myrtille aussi, je crois, sont en promotion à Intermarché. Donc j'ai pris celui-ci et la pêche, voilà, pour l'été. Et puis donc je vais me préparer cette petite bouteille également pour m'accompagner cette matinée. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc voilà pour ce petit déjeuner, donc on a donc du pain, du fromage, des œufs, un fruit, une boisson fraîche, c'est tout parfait pour bien commencer la journée. Et il est même pas 9h, vous vous rendez compte, je vais manger un petit déjeuner quasiment à une heure respectable. Pour ce midi, ça va être un carpaccio de tomates. Donc j'ai trois belles tomates de couleurs différentes avec donc le granola salé orange et sarrasin de chez Positizel Seafood. Je vous mettrai de toute façon dans la description le lien vers leur page YouTube où justement ils proposent également des recettes pour utiliser leur granola. Donc ça peut vous intéresser, vous n'avez plus qu'à aller dans la description. Et puis pour la petite sauce, ça va être un pesto donc, que j'ai fait à base de noix et du basilic que j'ai finalement failli laisser mourir. Donc voilà, j'en ai repris un autre, mais l'autre, les feuilles étaient assez fanées. Donc voilà, pour les utiliser en pesto, c'est parfait. J'avais pas de pignon de pain, donc j'ai utilisé des noix. Donc après, de l'huile, des noix et du basilic. Et puis j'ai mixé l'ensemble. J'aime bien quand il y a des morceaux, donc si on veut un peu plus lisse, il suffit de mixer un peu plus. Mais voilà, moi j'aime bien quand il y a des morceaux. Et ça sent tellement bon. Donc voilà, j'ai plus qu'à couper mes petites tomates. Enfin, mes grosses tomates, elles sont énormes, je sais pas si vous vous rendez compte, en lamelles, disposer ça joliment dans l'assiette, saupoudrer de granola salé, et je vais mettre du pesto soit en dessous, soit au-dessus, dans tous les cas, il y aura du pesto pour faire la petite sauce. Je suis tellement contente de pouvoir déguster leur gamme. Donc pour ce qui est du granola salé, c'est un mélange salé de flocons d'avoine qui est sans gluten, sarrasin, avec des noisettes et des graines de moutarde qui sont parfumées au curcuma et romarin et torréfiées à l'orange au vinaigre balsamique. Non mais juste tout ça, ça donne tellement envie. Donc pour tout ce qui est du reste de la gamme, je vous l'ai détaillé, je vous mettrai directement en lien l'article que j'ai fait sur Insta. Et puis vous avez un petit code promo à utiliser, donc ben voilà, si ça vous intéresse, en tout cas allez-y les yeux fermés. Pour le moment, tout ce que j'ai goûté, c'est vraiment juste super bon. Donc c'est parti pour le goûter et je vais faire
archi simple, autant dire que je vais rien faire du tout si ce n'est que mettre dans mon bol de la compote et du granola. Là encore, il y avait une promotion à Inter sur les compotées Bonne Maman. Alors je sais pas si elles existaient déjà, en tout cas j'ai jamais fait attention en magasin. Là elles étaient en promo, je crois que c'était moins 20% et elles ont l'air hyper appétissantes. En plus, le pot en verre va se garder, vu que là je suis en mode zéro déchet, je fais pas mal de petits tutos également sur Insta, je vous mettrai mon lien sur mon autre page. Mais ouais, donc du fait, je pense que ça va être pas mal. Donc aussi bien, là je vais me le faire en goûter, mais je sais que je me le ferai également en petit déjeuner dans la semaine. Donc de la compotée, du granola, tout simplement dans le bol. Faut quand même que je vous dise les noms, parce que je sais pas si vous avez fait attention. Donc là c'est pomme à la vanille naturelle, donc on va dire techniquement la plus simple, la plus commune. Mais alors là, fraise et framboise, fleur de sureau, et celle-ci, pêche, abricot, délicate et verveine. Bon là, c'est celle-ci qui me fait de l'œil pour aujourd'hui. Mais enfin bref, voilà, les parfums sont quand même ouf, je trouve. Donc j'espère qu'au goût, ça va suivre. Et le granola d'aujourd'hui, donc ça va être celui d'amande et noisette. Donc je viens de goûter juste en léchant la cuillère que j'ai utilisée. Déjà, la texture, elle est hyper épaisse. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment compoter et pas compote liquide, il y a encore des morceaux. Enfin bref, ça, voilà, c'est, j'ai goûté comme ça, c'est super bon. Donc je vous dirai les autres si jamais je les goûte en vidéo, sinon peut-être que je vous ferai un retour sur Insta. Donc voilà, je valide pour ça. Et puis il ne me reste donc plus qu'à mettre le granola. Donc la box Glaze Up que je vous propose actuellement, elle date du trimestre dernier, parce qu'en fait c'est une box trimestrielle, mais comme il y a eu un petit truc qui s'appelle le Covid, du fait ça a un peu retardé mes présentations. Donc voilà, c'est celle pour le printemps et il y avait pas mal de choses dedans. Donc c'est une box qui est lifestyle, responsable, locale, et elle vient surtout de Loire-Atlantique, donc on va surtout retrouver des produits qui viennent de cette région. Le premier article que je vous présente, c'est la pochette à savon qui est zéro déchet, donc elle est faite main par une créatrice. Donc elle est doublée à l'intérieur à l'éponge pour absorber toute humidité, donc elle est vraiment sur le thème printanière, j'aime beaucoup. Et pour aller avec, on a également un savon donc de la marque Lisotti, donc c'est un savon printanier avec du basilic et des graines de pavot, donc il est à base d'huile d'olive, de coco, de tournesol et de ricin. Alors tout est bio, c'est extrait à froid, et le côté exfoliant avec les graines de pavot, c'est juste parfait. On retrouve également un mélange de graines bio mellifère, donc spécial abeille. J'ai pas encore de jardin, mais du coup je me les garde pour plus tard, et si jamais ça tarde trop, je les donnerai à ma maman pour qu'elle les mette dans son jardin. L'idée du mélange, ça permet d'avoir une diversité dans ce qui est des pollens et des nectars, aussi bien pour les abeilles, les bourdons que les autres insectes. Bref, vu qu'en ce moment c'est un peu la galère, que les abeilles on les perd, voilà, c'est un petit geste éco qui est juste au top. Et puis moi personnellement, avoir des fleurs dans son jardin, ça reste quelque chose de magnifique à regarder tous les jours. On retrouve également un range câble en cuir qui est 100% fait main, avec un fermoir en laiton doré. Je le trouve hyper classe et tellement utile. C'est vrai que moi mes câbles, que ce soit quand j'écoute de la musique ou pour aller recharger mon téléphone quand je suis en déplacement, ça permet de bien le ranger, et je le trouve juste magnifique. Et pour la touche gourmande, on va retrouver des galettes de sarrasin de la biscuiterie Tommy. Là forcément je ne suis pas de cette région, donc je ne connaissais pas. En revanche, les galettes de sarrasin, je connais et j'adore ça. Donc voilà, elles étaient vraiment excellentes. Il m'en reste encore un peu. J'en ai utilisé mangé comme ça nature ou en apéritif, et j'avais mis un peu de fromage frais dessus. Enfin bref, voilà, c'est juste très 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 bon. Donc voilà, encore une fois, tout est bio, et donc c'est de la région originaire de la Beauce. Donc pour le repas du soir, comme prévu, on va faire une chouchaka avec ma maman, donc avec des légumes qui me restent du panier Potager City et les œufs qui viennent de ses poules, donc c'est parfait, elle m'en a apporté beaucoup, donc c'était l'occasion de pouvoir les déguster en sa présence. Donc je vais vous laisser certainement avec juste des images accélérées et de la musique, parce que là le petit ne me laisse absolument pas la possibilité de pouvoir enregistrer la voix en même temps.
Et bien voilà mes gourmands, j'espère encore une fois que toutes ces recettes vous auront plu. Comme vous avez vu, les émoticônes sont de retour, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire l'émoticône des recettes que vous aurez préférées. Et puis nous on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et à très vite. Et des bisous!